Allez, debout, Paul Chetron, on doit aller voir les résultats du bac. Allez, viens, on y est, on va aller voir les résultats. Ouais, c'est bon, j'ai compris, j'ai compris. Aujourd'hui, j'ai eu mon bac. Youhou! Bon alors ça y est, j'ai eu mon bac. Ça va me permettre de faire encore 8 longues années d'études, tout ça pour gagner le SMIC. Splendid! Alors il faut savoir qu'avant, auparavant, dans le passé, dans les années 80 par exemple. J'aime les cassettes. Dans le temps quoi. Il n'y a pas besoin d'avoir son bac pour réussir sa vie. Alors si vous l'aviez, vous imaginez même pas quel bel avenir vous alliez avoir. Salut, je suis Steve Jobs, j'ai un t-shirt avec des alpagas dessus, j'ai arrêté mes études très tôt, je consommais régulièrement de la LSD. Mais c'est comme ça que j'ai pris la tête de la fameuse entreprise de la pomme qui vous prend tous pour des poires. Je suis aussi très connu comme étant l'inventeur du Mac. Bitch, please! Non, pas ce Mac-là, celui-là. De nos jours, avec Bac plus 8 en Polytechnique, voilà ce qu'on peut espérer de mieux. Bah, à peu près, hein. Ouais, tu vois, à ce moment-là, je l'ai regardé droit dans les yeux à cet alpaga, et là, je lui ai dit que je... Ah, Nathalie, un petit peu de LSD, peut-être? Oh, merde, mon coca! Putain! Bon, Bill! Allez, tout de suite, monsieur Jard, tout de suite! Souhaitez-vous utiliser ma bouche comme cendrier? Bon, enfin, tout ça pour dire que j'ai eu mon bac, et avec mention bien. Et ouais, je m'en vante. Et je vous embrasse! Vous vous dites sûrement que quelqu'un d'aussi intelligent que moi a dû bosser des heures et des heures pour son bac. Arrêtez, c'est pas drôle. Voilà à peu près à quoi ressemblait une journée de révision pour moi. Ouais, bon, faut pas croire, hein, j'ai quand même révisé un peu, hein, un peu. Bon, au programme cette année, on avait anglais, espagnol, philo, mathématiques, sciences de l'ingénieur, sciences physiques. Et je sais que vous avez tous un petit peu envie de voir comment se sont déroulées mes révisions, alors les voici par matière. Il peut marcher au plafond. Prends garde, Spider Cochon est là. Prends garde, Spider Cochon est là. Ouh, ça vient d'Emmanuel Kant ou quelque chose comme ça. Ça lui donne des points. Miles per hour. Ciento cuarenta kilómetros por hora. Bueno. Regardez-moi ça. Toute l'ingéniosité de l'homme condensée uniquement dans cet objet. C'est incroyable, je me demande vraiment comment cela fonctionne. Non mais c'est un truc de fou quoi. Un stylo à billes. Regardez, vous appuyez une fois ça monte, une autre fois ça descend. Une autre fois ça monte, une autre fois ça descend. Ah, dis donc, en plus ça se dévisse et tout. Waouh, il y a même des bidules à l'intérieur, un truc de fou. Ça c'est bon, je sais faire. Bon, ça ne servira à rien pour le bac, mais je sais faire quand même. Alors, selon la seconde loi de Newton, tout corps est soumis à un phénomène de chute libre dû à la gravitation terrestre.
putain, il avait raison. Et le matin, pour se rendre aux examens, voilà comment ça se passait en général. Fiston, tu prends le volant, enfin. Oui, bon, d'accord. J'ai 18 ans et je suis toujours en conduite accompagnée, mais en fait, c'est parce que je... J'ai loupé mon permis. Parce qu'en fait, j'ai une grande passion, c'est la conduite. Et du coup, le choix le matin était souvent très difficile. Ouais, non, je suis pas très chaud. Prends le volant plutôt. Pourquoi le choix était-il difficile? Eh bien, parce que j'avais le choix entre la conduite ou les révisions de dernière minute. Révisé. Vite, la science physique, révisé. Révisé. Bon, à part ça, les épreuves se sont plutôt bien passées pour moi. J'étais tellement fier de mon travail que lorsque j'avais fini une copie, j'avais presque envie de l'encadrer. Alors je faisais hyper gaffe par contre parce que je suis le genre de mec distrait à pouvoir faire des conneries avec sa copie. Du coup je prêtais attention à mes moindres faits et gestes. Donc voilà à peu près comment se sont déroulées les épreuves et voici à peu près la gueule de mes copies. Aujourd'hui, j'ai eu mon bac. Super! Ah, et pour ceux qui auraient loupé leur bac cette année, n'oubliez pas que... Quand on veut très fort quelque chose, on finit toujours par y arriver.